Salut à tous, c'est Zitax et dans cette vidéo je vais faire la customisation et la présentation de la Nagasaki BF400 qui est juste un véhicule de ouf, un véhicule de malade. Donc je l'ai déjà custom parce que franchement c'était un véhicule que j'avais envie d'avoir. Et du coup je vais vous montrer les customisations que j'ai et je vais aussi vous montrer les particularités de cette moto là qui sont juste incroyables. C'est vraiment un véhicule de ouf, comme je vous l'ai dit, c'est un véhicule que je surkiffe et je me balade tout le temps avec. Donc ça bien évidemment à fond, ça à fond, j'ai même pas besoin de vous le montrer. Éclairage phare xénon, motif j'ai pris Sprunk, voilà, parce que je trouve ça assez stylé. Vous pouvez la prendre sans rien aussi, elle est aussi pas mal sans rien, ou vous pouvez la prendre avec ça comme vous le souhaitez, hein. Après selon vos goûts vous prenez ce que vous souhaitez. Ensuite pour la peinture c'est les couleurs de base, transmission à fond, turbo à fond, les roues pour ceux qui se demandaient ce sont les tridents, voilà, avec du verlime par-dessus et pneus à l'épreuve des balles. Donc voilà, la tenue de mon joueur elle arrive très prochainement aussi sur la chaîne, j'ai tourné ça juste avant, je sais pas quand je vous sortirai ça. Pareil pour les courses, hein, pour ceux qui se demandaient, mais franchement cette moto c'est une moto que je surkiffe, elle ressemble énormément à la Sanchez. En mieux je trouve personnellement. Donc là vous voyez déjà qu'elle prend assez de vitesse et regardez. Ah si, je suis tombé. D'accord. Alors là c'est le plus gros fail de l'année parce que normalement sur cette moto là c'est impossible de tomber. Bon, je suis quand même arrivé assez rapidement, mais regardez. Non, on tombe. D'accord. C'est quoi ce délire? Normalement cette moto vous pouvez pas tomber. C'est bizarre ça. Ah si, bah là vous tombez. Ah, c'est en course. Il me semble que c'est en course. En course, on peut pas tomber. Ah, je pensais que c'était aussi en mode libre. Ah, je suis déçu là. Ouais, vraiment en course, si vous prenez cette moto là, elle est juste incroyable. Vous allez pas tomber, vous pouvez sauter de n'importe quel stunt. Vous allez jamais tomber, c'est vraiment une moto pour les courses. Mais comme vous le voyez en mode libre, vous prenez un poteau, un mur ou quoi, une voiture, vous tombez en mode libre. Alors que pendant les courses, vous ne tombez pas. C'est pour ça que j'étais assez surpris et assez choqué quand même. Je pensais que ça le faisait aussi dans le mode libre. J'avais pas de test justement dans le mode libre. Mais voilà, dans les courses, franchement, c'est un véhicule de ouf. Mais déjà, pour se balader comme ça, je trouve que c'est un véhicule qui a du style. Ça ressemble à la Sanchez. Vous avez la possibilité de mettre justement des roues comme vous le souhaitez. Donc voilà, c'était tout pour la customisation de la Nagasaki BF400. Franchement, c'est un véhicule que je surkiffe. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la fois prochaine. Ciao!